Avant, je fumais tout le temps la cigarette au bec. Les unes après les autres. J'allumais la suivante au mégot de la précédente, à la queue leu-leu. C'est bien simple, le matin, à mon réveil, à peine les yeux ouverts, j'appelais ma femme de ménage, « Madame Jeanne, vite, des cigarettes !» Et hop, une petite cigarette. Je montais en voiture, en passant, je prenais Mademoiselle Boniface, ma secrétaire, à un feu rouge, j'en profitais. « Mademoiselle Boniface, vite, une petite cigarette !» J'arrivais au bureau, le téléphone sonnait. Je décrochais. Allô, oui? Ah, c'est vous, c'est moi. Comment? Vous ne voulez plus de mes aciers suédois? Mademoiselle Boniface, vite, une petite cigarette. Ça décontracte. Eh bien, prenez du belge. Je suis catholique. Eh bien, le dimanche, à la grand-messe, au bout de 10 minutes, il faut que je sorte. Et sur le parvis, hop, une petite cigarette. Je fumais, je perdais la mémoire. Alors j'ai stoppé net. Ça a été très dur. Les premiers temps surtout. La nuit, je dormais plus. L'insomnie. Et puis un matin, le miracle. À mon réveil, plus envie. Désintoxiqué, un homme neuf. Et alors, dès que j'ai eu cessé de fumer, je sais pas ce qui s'est passé, on est entre nous, hein, pour la question sexuelle. Pour le hop, tac, 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 tac. Terrible, terrible. Superman. Ah, le matin, à mon réveil, à peine les yeux ouverts, oh Noël. J'appelais ma femme de ménage, Madame Jeanne, vite, regardez, oh mon Dieu, et hop, tac, 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 tac. Je montais en voiture, je prenais Mademoiselle Boniface, ma secrétaire. Un feu rouge, j'en profitais, Mademoiselle Boniface, et hop, tac, 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 tac. J'arrivais au bureau, le téléphone sonnait. Je décrochais. Allô, oui, asseyez-vous, c'est moi. Comment? Vous ne voulez plus de mes aciers suédois? Mademoiselle Boniface, vite, et hop, tac, 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 tac. Oh, ça décontracte. Eh bien, prenez du belge. Tenez, je suis catholique. Eh bien, le dimanche, à la grand-messe, au bout de 10 minutes, il faut que je sorte. Et sur le parvis, hop, tac, 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 tac. J'arrêtais pas. Je perdais la mémoire. Alors j'ai stoppé net. Ça a été très dur. Ah, surtout les premiers temps. La nuit, je dormais plus. La tête enflée. L'insomnie. Et puis un matin, mon réveil, le miracle. Plus envie. Désintoxiqué. Un homme neuf. Et maintenant, je bois. Je bois.